Allons ici. Donc, souvenez-vous que j'ai montré sur la fausse lune, existe une fausse lune et cette fausse lune n'est pas de Dieu. N'a aucun lien avec Dieu. De tout ce qu'on voit là, 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 tout ça, n'a aucun lien avec Dieu. Donc, souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça que les reptiliens sont liés à une fausse lune. Et cette fausse lune n'est pas de Dieu. Donc là, souvenez-vous que j'ai expliqué que eux, les reptiliens, c'est eux qui mettent nouvelle lune. Nouvelle lune. Mais ils cachent que quand ils mettent ça, ils cachent de l'autre côté qu'ils font des rituels 666 avec leur fausse lune. Parce que nouvelle, ça se dit, et lune aussi. Mais c'est eux qui ont mis comme ça. C'est pour cacher rituel 666 qu'ils font avec leur fausse lune. Donc, allons ici. Donc, on vous parle on vous parle du 24 avril avec Ramadan, la bête Ramadan. Parce que ce nom Ramadan n'est pas de Dieu. Même avec DHAN et RAMADAN, ce nom n'est pas de Dieu. Donc, là. Parce que ce nom n'a aucun lien avec Dieu. Et c'est ça qui les trahit. Surtout qu'il y a la preuve qu'on vous explique que eux, les reptiliens, la race reptile, ils attendent, il faut qu'ils attendent le croissant, qu'apparaisse leur croissant 666. Et on constate qu'on voit sur leur drapeau démon ce croissant 666 et qui fait le lien avec la bête à sept têtes, avec le dragon rouge. Et leur salope, Jésus, avec la lettre S, qui est Marduk, la salope, et qui est Allah. Vous avez tout compris sur ça. Donc là, ça les trahit. Mais il faut comprendre qu'ils ont toujours fait le Ramadan parce qu'ils vous ont caché que Ramadan est pour les zombies. C'est pour les zombies, Ramadan. Vous avez tout compris sur ça. Pourquoi Dieu Isis va les briser au Ramadan? Parce qu'il y a le lien aussi qu'à leur Ramadan, ils font le lien avec leur croissance 666, la sale race de pute, la race reptile. Mais leur Élisabeth avec la lettre Z, qui est leur salope Marduk, qui est Allah, qui est la fausse reine et qui est liée avec les anglais démons, c'est elle la bête Ramadan, la salope, la pute. Donc allons ici. Et très crainte, Dieu va régler les comptes. Au plus vite, le 20 avril 2020, Dieu élimine la bête Aïd El-Fitr et qui donne 2016. Le 20 avril 2020, Dieu élimine la bête Aïd El-Fitr et qui donne 2016. Le 24 avril 2020. Si vous regardez attentivement, vous de la lumière, on voit le nom Aïd El-Fitr. Mais il faut comprendre qu'il y a la preuve sur Internet. Il y a Aïd El-Fitr et Aïd Al-Fitr. Mais c'est la même pute qui est là. Dieu élimine la bête Aïd Al-Fitr. C'est la même pute qui est là. Ramadan est lié pour les zombies. C'est un rituel 666 de la religion reptilienne qui est là, pour le dragon rouge, pour la bête à sept têtes et pour les politiciens. Vous avez compris? Mais c'est pour les zombies, c'est pour les bêtes reptiles. Et en plus, souvenez-vous que j'avais expliqué sur ça dans mes vidéos que ce n'est pas normal de ce qu'ils disent, que ça fait beaucoup penser aux vampires. Que quand ils disent ne mangez pas le matin, ne mangez pas le jour, mais mangez que le soir. Mais c'est quoi ça? Mais c'est du n'importe quoi! Mais vous le constatez vous-même! Donc, après, il y a le 23 avril 2020. Dieu élimine la bête Tarawi. Ce nom Tarawi n'est pas de Dieu. Ayez très très crainte, hein, de tout ce qui va arriver. Et qui donne 2007.
Le 23 avril 2020, Dieu élimine la bête Tahraoui et qui donne 2007. Ce nom Tahraoui est lié à eux. Aux reptiliens, à la race de pute, la race reptile. Et comme j'ai expliqué, quand ils tournent là, autour de leur mosquée à l'Arabie Saoudite, de tout ce qu'on voit, c'est contre, ils attaquent, ils ont toujours attaqué la Voie lactée. Vous avez compris sur ça? Et ils vont contre Dieu. Ils tournent, ils font plusieurs fois comme ça, à tourner. Est-ce normal ça? Mais vous le constatez vous-même. Mais là, ce qu'il faut, craindre, c'est surtout que Dieu vous dévoile. Dieu vous dévoile parce que vous tous, vous barricadez. Vous vous barricadez tous. C'est Dieu qui vous dévoile. Et qui a dévoilé votre prison 666 de votre salope, la pute Marduk, Jésus-Christ Allah, Jésus avec la lettre S. Puisque vous avez toujours camouflé votre prison 666 avec votre argent démon. Donc vous, vous faites croire que soi-disant que nous, on vit, on doit vivre avec l'argent. Mais depuis quand il faut vivre avec l'argent? Ça, c'est vous qui racontez ça dans vos mensonges de pute démon. Donc, ayez très crainte. Votre fait fatal est là et Dieu va vous tuer et vous exterminer. Vous avez compris sur ça?